Son blaze, c'est Hypatie, c'est une ancienne, elle est née au 5e siècle après Jésus-Christ, l'antiquité chrétienne. Elle a été éduquée par son daron, elle était mathématicienne, philosophe et astronome. Tout ça ! C'est une jeune meuf intelligente et vulnérable, elle a aidé à créer deux objets d'instruments dont l'astrolabe. Astrolabe, instrument astronomique d'observation et de calcul analogique. Et l'hydromètre. Hydromètre. Instrument qui sert à mesurer la densité, la pression des liquides. Elle se sapait en tunique avec des claquettes. Ah ouais, carrément. Depuis qu'elle est chipeu, Hypatie a de la chance de recevoir l'éducation de son daron. Il lui a appris les maths, la philosophie et l'astronomie. Astronomie, science qui étudie la position, les mouvements, la structure et l'évolution des corps célestes. Hypatie était une meuf intelligente et elle savait des bêtes de trucs. Elle était douée dans grave les domaines et chaque fois qu'elle voyageait, elle apprenait. Son plus gros voyage était sans doute celui qu'elle avait réalisé en allant en Grèce pour étudier. Elle se souvient avoir vécu le plus beau jour de sa vie quand son daron, le directeur de l'université d'Alexandrie, je crois. Mais non, directeur d'université, jure ! Il l'a présentée aux illustres savants en tant qu'oratrice, t'as vu ? Elle maîtrisait les rouages du livre 7 des éléments d'Euclide. Livre 7 des éléments d'Euclide. Le livre 7 des éléments d'Euclide est le premier des livres d'Euclide à traiter à proprement parler d'arithmétique. On y définit en particulier les nombres premiers et les nombres premiers entre eux. Le plus grand commun diviseur, PGCD, et le plus petit commun multiple, PPCM. Après sa démonstration, elle a été félicitée, genre acceptée aux yeux des savants de l'université. À Skip, elle vivait de ses propres moyens, et même si c'était une femme, elle était grave indépendante, comparée aux autres meufs de l'Antiquité. Elle avait même refusé de se marier. Et elle était trop kiffée par des mecs de son âge et tout, car elle était grave fraîche et grave intelligente. Ouais, ça m'étonne pas. Après, t'as vu, maintenant c'est plus comme avant. Les femmes, elles ont plus de droits. Bah, heureusement. Comme on l'a dit juste avant, Hypatie est une meuf vraiment intelligente et de ouf cultivée, limite trop pour son époque. Elle kifferait que le savoir soit accessible à tous, elle accepte toutes les religions et c'est aussi ça le problème. Elle est vue comme une sorcière puisqu'elle est polythéiste. Polythéiste, religion qui admet l'existence de plusieurs dieux. Intelligente et différente des autres, on va dire. Donc les gens la prennent grave pour une impie. Impie. Quelqu'un qui méprise la religion. Ah ouais, bizarre les gens. À Skip, il y avait des rumeurs comme quoi elle entretenait des bails avec des mecs. Et genre, ça pousse une foule de chrétiens en mars 415 à l'assassiner, à la démembrer et à brûler son corps. Ah ouais, chaud. C'était gore. Tout ça s'est fait dans une église par les fanatiques chrétiens et le coup fatal porté par son élève. Il était une fois. Il est une fois, une merveilleuse enfant nommée Catherine. Elle est la dernière enfant d'une fratrie de deux frères et d'une sœur. Âgée seulement de 2 ans, Catherine sait calculer quand son père lui donne des calculs à résoudre. Pour Catherine, les mathématiques sont un jeu d'enfant. Pour Catherine, son père est le plus fort et le plus intelligent et le plus courageux. Jamais au grand, jamais Catherine ne l'a vu se tromper. Catherine est une enfant prodigieuse et avant d'entrer à l'école, elle sait déjà calculer, compter, lire et même écrire. Dès son plus jeune âge, Catherine part à l'école de magie. N'importe quoi. À l'âge de 4 ans, Catherine Johnson intègre l'école maternelle
mais elle sait déjà lire, écrire et faire des petits calculs mathématiques. Donc elle passe directement à l'école primaire en CP. Mais ce niveau est encore trop facile pour elle et passe en CE1. Catherine Johnson entre au collège à l'âge de 10 ans. Elle peut faire des raccourcis de cycle si elle le veut, mais elle ne le fait pas pour se perfectionner dans les chapitres de maths qu'elle vient de découvrir. Elle passe le brevet avec une facilité incroyable. Elle veut devenir calculatrice, donc elle choisit un lycée spécialisé dans ce domaine. Comme par magie, Catherine Johnson devient la première présidente noire des États-Unis. Non, pas du tout. Catherine arrive à décrocher un emploi à la NASA. Elle est alors simple calculatrice, mais bien en dessous de ses capacités. Mais dans la société de l'époque, il est difficile de faire des études, d'accéder à des postes importants. D'autant plus qu'elle est une femme, d'autant plus qu'elle est noire. Elle doit se montrer digne de sa place, alors que dans le milieu du travail, les espaces pour les blancs et pour les noirs sont différents. Dans ces temps-là, les personnes de couleur n'étaient pas autorisées à utiliser les mêmes toilettes que les blancs. Ainsi, tous les jours, Catherine doit sortir du bâtiment pour aller aux toilettes, perdant alors un temps précieux qu'elle pourrait utiliser à faire des calculs. Mais ce n'est que le début et bien d'autres difficultés jalonnent son parcours. Catherine est invitée à une réunion pour discuter de la trajectoire exacte de la fusée jusqu'au point précis de son amerrissage. Elle cherche quelle est la bonne équation. Elle remarque quelques regards pointés sur elle à cause de sa différence, ou plutôt de ses différences. 1. C'est une femme. 2. Elle est noire. Catherine se lève et va au tableau pour leur faire part de ses calculs. Elle commence à écrire sur le grand et majestueux tableau noir sous le regard émerveillé des autres scientifiques. Sous les chiffres apparaît une lueur de poussière d'étoiles. On peut même distinguer de grandes planètes et des étoiles lumineuses. À la fin de sa présentation grandiose et de sa spectaculaire vivacité d'esprit, elle demanda la signature qui lui permettrait de toucher la voûte céleste. La signature doit assurer le fait que ce soit bien l'équation de la grande mathématicienne Catherine Johnson, mais cette demande est refusée car c'est une femme et elle est noire. Mais ce n'est pas son genre, elle préfère admirer les comètes et planer dans la Voie lactée que d'avoir le mérite de ses découvertes. Depuis près de 10 ans, Catherine et son équipe travaillaient pour ce moment. Depuis 10 ans, ils s'acharnaient, travaillaient sans cesse et luttaient pour y arriver. Tout ça pour aujourd'hui. C'est le jour tant attendu. Le jour où la fusée Apollo 11, chargée d'envoyer les premiers hommes sur la Lune, doit décoller. Catherine, ayant grandement participé au projet, ne peut s'empêcher de douter. Si un seul de ses calculs vient à être faux, elle serait alors responsable de la mort de ses 3 astronautes, et sa lutte pour sa considération serait entièrement gâchée. L'angoisse la tétanise, et les dernières secondes avant le décollage de la fusée lui paraissent durer des heures entières. Enfin, cette attente insoutenable se termine. La fusée décolle. Ce n'est que le début du voyage des astronautes présents dans la fusée, et le plus incertain reste à venir. Malgré la frayeur qui habite Catherine, chaque seconde qui se passe sans problème est un soulagement. Quelques minutes plus tard, la navette Saturne V décolle, qui servira à Apollo 11 et aux 3 astronautes à bord d'atterrir sur la Lune, si tout se passe comme Catherine et son équipe l'ont prévu. Le temps passe, et après plusieurs jours de voyage pour les astronautes, d'angoisse pour Catherine et d'impatience pour la population, la fusée se posera enfin sur la Lune, dans quelques minutes à peine. Même si tout se passe exactement comme elle l'avait prévu, Catherine, qui n'a jamais été aussi anxieuse, ne peut s'empêcher de vérifier et revérifier ses calculs, à la recherche d'une potentielle erreur, d'une faille dans leur recherche. Après quelques minutes, Apollo 11 atterrit enfin, à quelques kilomètres à peine de l'endroit prévu. Le soulagement, la joie arrive enfin après toute cette angoisse. Ils ont enfin réussi. Catherine, sa famille, les astronautes et tous ceux qui attendaient ce moment avec impatience, ils ont enfin réussi. L'homme est arrivé sur la Lune. Catherine et Apollo 11 se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais non ! Et la fusée atterrit sur la Lune, tout le monde félicite Catherine Johnson. Elle a eu une promotion de 100 000 $, ce qui est énorme pour une jeune femme comme elle. Quelques semaines plus tard, toutes discriminations sont interdites à la NASA, et Catherine peut enfin aller aux toilettes sans traverser tous les bureaux. Des années sont passées, et Catherine part à la retraite. Mais avant cela, le président Obama lui remet la médaille du mérite. Elle vécut heureuse jusqu'à la fin de sa vie.
Jane Goodall. Bravo, bravo. Elle est née, la petite Jane Goodall, le 3 avril 1934. Oh, mais quelle belle performance! Jane Goodall vivait dans un petit quartier de Londres, et oui. Elle est issue d'une famille modeste, mais malheureusement, ah là là là, son père était un ingénieur, sa mère au foyer. Et Jane avait une sœur, mais oui, Jane possédait son chien qui vivait avec elle, et sa maison avec un jardin. Depuis petite, elle était donc en contact avec des animaux. Oh là 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 là, mais la chance! Cependant, ses parents n'avaient pas l'argent pour lui payer ses études. Mince! Elle a du talent pourtant. Elle a quand même passé son diplôme de secrétaire. C'est en 1957 qu'elle se fait inviter au Kenya par une amie très gentille. Oh là 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 là, elle rencontre le docteur Louis Leakey. Célèbre anthropologue qui va croire en elle, et oui, merci. Il y a les parents de Jane Goodall dans le jardin, que font-ils? Ils ont éreinqué. Ah oui, ils cherchent Jane, mais où est-elle? Oh, mais dans le poulailler, les poules ont l'air d'avoir peur de quelque chose. Les parents de Jane vont vers le poulailler, ils courent, ils l'ouvrent, et il y a plein de poules qui sortent. Aïe 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 aïe. Mais c'est Jane Goodall qui sort. Ils ont l'air rassurés. Elle est restée toute la journée enfermée dedans. Mais pourquoi faire? Elle a été enfermée? Ah, on me dit à l'oreillette, elle s'est enfermée dans le poulailler pour étudier la ponte des poules. Mais qu'est-ce qu'elle est étonnante, cette fille. Sur le terrain, Jane Goodall s'élance. On me dit qu'elle protège et prend soin des chimpanzés, qu'ils sont beaux, et elle les a sauvés. Elle court, elle court, elle court, et quelle belle foulée athlétique pour regarder si les produits ont été testés sur les animaux. Et tout le monde crie parce qu'elle est très proche d'eux. Et oui, la nature est un peu sa maison et elle la respecte. Écoutez derrière, tout le monde crie parce que Jane est passionnée par les animaux et elle les comprend. La foule est en délire. Elle donne un nom à chaque chimpanzé, partage son repas avec eux. Qu'elle est formidable. Ah là 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 là, Jane adore transmettre ses savoir-faire éthologiques sur le comportement animalier. Oh punaise, il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave parce que Jane connaît tout sur les comportements des primates, et oui. On me dit ici que Jane Goodall a découvert lors de ses recherches que les chimpanzés utilisaient des outils comme une branche pour extraire et manger des termites ou des fourmis, alors que l'on croyait qu'il n'y avait que les humains pour faire ça. C'est invraisemblable. Tout à fait, et notamment, ils utilisaient les faisceaux de brindilles pour recueillir le miel. Non, c'est tout bonnement incroyable. Mais les techniques peuvent changer d'espèce en espèce. Et on me dit aussi, chers téléspectateurs, que les habitats des chimpanzés vont disparaître. C'est vraiment dommage, ce que les humains peuvent détruire. L'équipe de Jane traîne la cage jusqu'à un coin de forêt. Il ouvre la cage, il libère le primate. Maintenant qu'il est guéri, il retrouve la liberté. Il fait un gros câlin à Jane Goodall et il part. On voit la déception dans les yeux de Jane. Elle a fondé, et de 1, l'Institut Jane Goodall pour la protection de la biodiversité, et de 2, l'aide au développement durable et l'éducation. Oh là 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 là, que c'est beau! Les heures passées à regarder les chimpanzés manger, que de tension! À attendre patiemment le moment où ils ne se mettraient pas à fuir en la voyant, à attendre les premiers contacts, c'est magique, jamais vu un tel exploit. Oh, mais quel travail! Ses recherches et ses efforts ont été reconnus par les plus grandes organisations de ce monde. Mais c'est fou! Attention, attention, le 16 avril 2002, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan, oh là là, quelle légende, nomme Jane Goodall comme messagère de la paix. C'est incroyable. Elle est aussi membre d'honneur du club Budapest, du jamais vu. Et parmi les autres prix que le docteur Goodall a reçus, il y a le prestigieux prix japonais Kyoto pour la science. Quelle incroyable femme, je n'en reviens pas. Thank you.
Je m'appelle Suzanne Noël. Je suis née en 1878 à Laon. Je suis issue d'une petite famille bourgeoise dans le nord de la France. Je me suis mariée à 19 ans. Mariée à 19 ans ? À un dermatologue, Henri Pertard. J'étais trop jeune pour épouser quelqu'un, mais j'ai eu de la chance que mon mari soit bienveillant, à l'écoute, attentionné. C'est même lui qui m'a donné goût à la médecine et m'a accompagnée dans tous mes projets, mes réussites et mes erreurs. J'ai ensuite fréquenté un autre homme, André Noël, en m'émancipant. Puis j'ai une fille, Jacqueline, dont je ne suis pas sûre du père. L'amour, pour moi, c'est la liberté. Désolé, messieurs. En 1905, j'entame des études de médecine avec le soutien de mon cher mari Henri. C'est une époque où les femmes sont très rares dans ce domaine, car, soi-disant, c'est un métier pour hommes. Grâce à mes études, je suis nommée externe des hôpitaux de Paris dans le service du professeur Morestin. C'est un moment terrible pour moi. Des regards malsains sont posés sur ma personne. Car, pour ces messieurs, je suis une femme, donc objet de convoitise. Devenue pionnière de la chirurgie réparatrice, je prolonge cette expérience en entrant dans le service de dermatologie du professeur Baroque à l'hôpital Saint-Louis. Je vois dans le journal un article comme quoi Sarah Bernard, une actrice de théâtre, s'est fait faire un lifting qui a malheureusement échoué. Je prends des épingles à linge en bas de chez moi et je les mets sur mon visage pour voir comment je pourrais arranger son lifting. Je prends trois lapins et m'entraîne sur eux avec leur peau. Puis je pars chez elle et je vois à quel point elle souffre. Je dois lui offrir une nouvelle vie. C'est ce que j'ai réussi à faire après son opération. Elle remonte sur scène maintenant, pour le plus grand plaisir des spectateurs. À l'entrée de la guerre, en 1914, sans avoir pu soutenir ma thèse de doctorat, je suis autorisé à exercer dans la ville. Je rejoins alors le professeur Morestin à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. En 1916, en pleine guerre des tranchées, je me forme aux techniques de chirurgie réparatrice et correctrice. Et à partir de là, dans des conditions extrêmes, je participe à l'effort de guerre en déparant des gueules cassées et les blessés de rue. Monstruosité. Image cauchemardesque. De membres déchiquetés, brûlés, ensanglantés. Des corps sans vie, entassés. Et ces files d'attente de soldats, démembrés et sans âme, auxquels je vais redonner une place digne dans la société. En 1940, la guerre éclate. Je me dis que celle-ci va rendre mes activités difficiles, mais je vais en même temps aider la population. Je décide de risquer ma vie pour sauver celle de juifs ou de résistants recherchés par la Gestapo ou la milice en leur modifiant leur visage pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Cette guerre n'en finit plus, et les sirènes pour prévenir les bombardements hurlent régulièrement dans les rues désertées par les passants. Je vais aussi presque quotidiennement dans les groupes de résistants cachés dans les forêts pour amener des vivres et du matériel médical. Je les informe aussi des positions ennemies. Quand la fin de la guerre sonne, je m'active à redonner un visage à toutes ces personnes venues des camps de concentration. Amsterdam, Amsterdam. Londres, Amsterdam. Londres, Amsterdam. Londres. Amsterdam. Ceylan, Ceylan. Tokyo, Tokyo. Tokyo. Shanghai, Shanghai. Je commence mon long voyage par Amsterdam, où l'on m'accueille très chaleureusement. Là-bas, il n'y a que des Allemands, rien de plus. Après Amsterdam, je me rends à Londres, où je rencontre un groupe de femmes qui apprenaient à se défendre des hommes. À Anvers, je fais la connaissance de Marthe Meers, qui souhaite fonder l'Union belge du suroptimiste international. Puis je pars pour Ceylan. C'est là que je fais mon premier voyage en avion. C'est là-bas aussi que je rencontre Madame de Fonseca, qui a fondé un groupe d'accueil pour les femmes qui commencent à travailler. À Tokyo, le docteur Tomita m'a invité au restaurant pour manger de la viande de cheval. À la suite, j'ai une conférence dans une université pour raconter comment j'ai soigné les gueules cassées pendant la guerre. Après cela, j'embarque dans un bateau au Japon, direction San Francisco. À l'arrivée, je suis accueilli par la fameuse Adélaïde Goldar. À Shanghai, je rencontre un petit garçon avec le visage déformé. C'est mon devoir de l'opérer. Je défends également le droit des femmes durant ma carrière. C'était déjà compliqué avec la situation actuelle, mais grâce au Soroptimiste, un club défendant le droit des femmes, fondé par moi-même à Paris, nous avons pu faire diverses manifestations et nous en sommes fiers. J'ai consacré une grande partie de ma vie à faire respecter les droits humains, la reconnaissance des droits des femmes, mais aussi la protection des jeunes filles.